Mon rôle dans le quartier, c'est le représentant de l'État et de la collectivité locale. J'assume une certaine partie de la fonction de l'État et celle de la mairie en matière de la localité communale. Donc, je joue ces deux rôles, l'État et la fonction locale au niveau des communautés. En 2015, j'étais en tant que chef de quartier, j'ai été formé avec ces policiers. Pour preuve, je suis même membre du conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance. Cette police de proximité, elle est bien. C'est bien. C'est bien que cette formation soit aussi intense, qu'on multiplie encore cette formation. Vraiment, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup soutenu, ça m'a aidé. Le rapprochement de la police à la communauté, vraiment, a été intéressant. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la police de proximité, c'est une police qui est aussi soutenue, même par ma communauté. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. J'ai même, au niveau de ma police, au niveau de ma communauté, j'ai deux policiers, une dame et un homme, mais qui travaillent à la satisfaction de cette communauté. Nous travaillons très étroitement, vraiment. On est satisfait d'eux, nous sommes satisfaits. Je vous dis que vraiment, des mots même me manquent pour qualifier cette police de proximité. Pendant cette formation, d'abord nous avons commencé par la résolution des problèmes, des conflits, la résolution des conflits destinés aux chefs de quartier. Nous avons appris ça. Au niveau de la police de proximité, nous avons appris comment la police doit se comporter au niveau de la communauté. C'est ce qui fait que la communauté va maintenant vers cette police et la police au sein de cette communauté. Par exemple, le paiement des impôts, le vote, ils assurent tout cela, le paiement de la facture d'eau, d'électricité, ils sont à mes côtés, l'assainissement, la résolution, la cohésion sociale, nous sommes ensemble pour mieux faire et pour mieux développer. Justement, leur présence à notre niveau, c'est pour nous aider effectivement à éradiquer totalement, cette corruption. Donc, ici, c'est tout est bien assuré. La protection des jeunes, la protection des femmes, c'est grâce à cette police de proximité que nous agissons.